Et bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Au cœur de notre engagement, nous avons la volonté de construire la ville avec l'ensemble des Courneuviennes et les Courneuviens. Et pour ça, vous donner la possibilité de participer, d'apporter votre contribution. C'est ce qu'on a fait avec les tremplins citoyens, mais aussi de pouvoir décider. Un peu un contre-pied par rapport à la politique telle qu'on la vit aujourd'hui dans notre pays, où quand le peuple s'exprime, il n'est jamais entendu. Nous, on veut prendre le contre-pied de ça et on essaye de travailler au quotidien dans cet esprit-là. C'est le sens du troisième référendum que nous organisons du 4 octobre au 14 octobre. Le samedi d'ailleurs, 14 octobre, tous les bureaux de vote seront ouverts pour accueillir l'ensemble des habitants de la ville. Tous ceux qui ont plus de 16 ans, qu'ils soient français ou étrangers, peuvent voter de façon à ce que nous fassions corps tous et toutes ensemble. L'objet de cette année, de ce référendum, c'est le développement durable. Avec la première question, est-ce qu'on ne pourrait pas réduire l'éclairage public entre minuit et 5 heures du matin dans les zones industrielles, les zones non habitées? La deuxième question concerne les entreprises, les commerces qui font de l'éclairage en permanence alors que leur activité n'est plus en cours. Et donc, on veut leur demander de fermer cet éclairage de façon à ne pas gaspiller inutilement de l'énergie et permettre d'avoir aussi des zones d'ombre dans la ville propices à la biodiversité. Et la troisième question, c'est reprendre la proposition du Conseil communal des enfants qui nous propose un marathon des déchets, de manière à ce que, avec la population, ensemble, on aille dans un quartier, ramasser les déchets, de manière à faire en sorte qu'on fasse la démonstration qu'il est possible de respecter l'environnement dans lequel on est ensemble. Et donc, à vous de vous exprimer. On va aller à votre rencontre du 4 au 14 octobre. Profitez-en, décidez.